sensibilisés et s'engagent à dénoncer tout cas de violence. La ministre d'État en charge de la justice, quant à elle, dénonce l'indifférence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Elle l'a dit à la 22e session de l'Assemblée des partis du statut de Rome tenue à New York aux États-Unis. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Ce journal part de la province du Sud, Kivu, où le candidat numéro 20 est arrivé hier vendredi pour sa campagne électorale à sa propre succession, accompagné de son épouse Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé la population à lui renouveler leur confiance. Reportage Marcela Mundelendombe. C'est une véritable marée humaine, massée à la place de l'indépendance de Bukavu, qui a accueilli avec faste, vendredi 9 décembre, en début de soirée, le chef de l'État et candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre en cours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé au sud Kivu par la porte de l'aéroport de Kavumu, à l'aéroport où il a été accueilli par le gouverneur du sud Kivu, Teyo Ngwabije Kassi, qu'entouraient ses proches collaborateurs, notamment le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere et le maire de Bukavu, Zeno Karumba Chikuta. À la place de l'indépendance noire du monde, une place pavoisée aux couleurs de grandes fêtes, sous l'ombre des milliers de drapeaux et drapelés de différents partis politiques, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la population venue de toutes les trois communes de Bukavu et les territoires de la province du Sud Kivu sur des questions liées notamment à la sécurité, à la politique et aux élections. Concernant la sécurité, le chef de l'État a fustigé sans détour l'agression de la RDC par le Rwanda de Paul Kagame à travers le M23, l'objectif étant pour la politique expansionniste du pouvoir de Kigali d'annexer une partie du territoire national de la RDC en pillant les ressources de la RDC et en tuant les paisibles citoyens congolais. Pour cela, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a annoncé la montée en puissance des forces combattantes de la RDC et a appelé le peuple congolais, notamment les jeunes, à se prendre en charge en s'enrôlant massivement et davantage dans les rangs de l'armée nationale afin de se débarrasser des agresseurs. Volet santé, le candidat numéro 20 à la présidentielle a confirmé la gratuité de l'accouchement et des soins de santé aux nouveau-nés, mais aussi la couverture de la santé universelle. La gratuité de l'enseignement de base, le grand programme national de développement des 145 territoires, mais aussi le projet de la réhabilitation des routes de recettes agricoles et la route nationale Bukavu-Walungu-Mwenga-Kasongo-Kasai-Oriental. Tout cela a été évoqué par le chef de l'État, qui tient aussi à l'amélioration de l'agriculture. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tendu la main à la population du Sud Kivu de lui donner plus de voix à la présidentielle du 20 décembre en cours, lui accorder donc un deuxième mandat pour qu'il puisse achever tout son programme de développement débuté au cours de son premier mandat. Concernant la problématique du dollar américain soulevée par la population de Bukavu, le chef de l'État n'y est pas allé par quatre chemins. Il a appelé tout le monde à beaucoup produire afin de quitter progressivement cette monnaie étrangère et ainsi valoriser la monnaie nationale, le franc congolais. Quant au budget de l'État, il est passé de 5 à 16 milliards de dollars et les réserves de l'État de 800 millions à 5 milliards de dollars, a fait savoir le chef de l'État qui, à l'issue de son adresse, a présenté son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, fille du Sud Kivu. Disons aussi que l'adresse du chef de l'État, faite en français, a chaque fois été interprétée en kiswahili, successivement par le président du Sénat, Modeste Barat Lukwebo, et par le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Disons également que, dans son déplacement à Bukavu, le chef de l'État a été accompagné par certains membres de son gouvernement, dont Patrick Muyaya Katembwe, en charge
des médias et porte-parole du gouvernement de la République. Revenons sur l'étape de la province de Tanganyika où une marée humaine a accompagné le candidat numéro 20 à Kalemi, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé un appel à la préservation des acquis pour amorcer un second mandat. Reportage. C'est vers 16 heures passées que le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé les sols de la province du Tanganyika à partir de l'aéroport national de Kalemi. Accueilli chaleureusement par la population mobilisée comme un seul homme, le candidat de l'Union sacrée, accompagné de sa chère épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République, a fait le pied du tarmac jusqu'au lieu du meeting dans une véritable marée humaine. Contrairement à toutes les attentes, la province du Tanganyika surprend. À la plage Kainda, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, a demandé à la population de voter pour lui pour un second mandat. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le deuxième quinquennat lui permettra de consolider les acquis, notamment l'électrification totale du pays, la desserte en eau potable, la construction et réhabilitation des infrastructures, la création des emplois pour les jeunes, la promotion de l'agriculture, vengeance du sol sur le sous-sol. Le président de la République, candidat numéro 20 à sa propre succession, a alerté son électorat contre les candidats à double face qui sont soutenus par les ennemis du Congo. Il a rappelé sa détermination à protéger le Congo et les Congolais. Au point culminant du meeting, la population a pris rendez-vous avec son candidat numéro 20 pour le 20 décembre prochain, afin de lui renouveler sa confiance. Partout où il a été dans le Grand Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et le ministre de la Communication Média étaient présents dans leur casquette de membres de l'Union sacrée. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ils veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ils sont nombreux, ceux qui sont convaincus de la réélection du candidat numéro 20, Jacquemain Chabané, qui fait partie de l'équipe de campagne de Félix-Antoine Tshisekedi, livre ses impressions. Le Grand Katanga nous a très bien accueillis. On le clôture aujourd'hui par la province du Tanganyika, la ville de Kalemi. On vient aujourd'hui même de Kamina et demain on sera dans le Grand Kivu. On entame le Grand Kivu avec le Sud Kivu dans la ville de Bukavu où nous avons, je crois, 3 jours. Donc jusqu'à présent, comme je l'ai toujours dit, le périple se passe très bien. Partout où le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, arrive, l'accueil est extraordinaire, formidable. Une communication parfaite avec son peuple, avec les électeurs. Et je crois que ça augure de bonnes choses pour le 20 décembre. Le numéro 20 sera voté massivement. Et ce sera la victoire pour nous. Des fois, nous voulons bien que les actes parlent, que les images parlent. Vous avez vu, le Tanganyika est acquise à la cause du numéro 20. Et donc, le président Tshisekedi sera élu haut la main. Il y a des populistes qui viennent ici et qui trafiquent les images. Ce n'est pas notre cas. Nous, vous avez vu sur terrain que le président Tshisekedi est le mieux aimé et il sera le mieux élu dans le Tanganyika. Et dans ce journal, nous parlons également de la poursuite de la campagne à l'élection présidentielle du candidat numéro 15. Denis Mukwege s'est rendu dans la province de la Tshopo où il a tenu son meeting à l'esplanade de la grande poste de Kisangani. C'est le mercredi 6 décembre que le candidat Denis Mukwege est arrivé dans la ville de Kisangani. Il était accueilli au pied de l'avion par les cadres du regroupement politique ACRN. De l'aéroport de Bangoka à la 18e rue Kabondo, le candidat numéro 15 était ovationné par les Boyomèses et Boyomais. La carnaval est parti du 18e rue route TP Kabondo en passant par le marché central à la Kis au rond-point du canot jusqu'à la place de la Grande Poste.
Tout au long de ces 4 kilomètres, il était reçu chaleureusement par la population qui ne jurait que sur le numéro 15 à la tête de la République démocratique du Congo. À la tribune de la Grande Poste, Denis Mukwege a déclaré « Nous allons commencer les plans de paix en 2024 et nous devons dire trop, c'est trop. Nous devons nous prendre en charge. C'est possible que Kisangani devienne une ville de transformation agricole. » Ni shida kubwa sana. Hii ni shida kubwa ambayo inaonekana hapa kwa mji wa Kisangani. Mimi nadhani wakati ni unaangalia Kisangani, leo ukiuliza wanakuambia kuna moto haiko tena ya watu yote. Haya mwingine sio Kisangani inaweza kukosa moto. À la fin de son meeting, le docteur Denis Mukwege a accordé la parole au public qui lui a exposé les différents défis à la province de la Tchopo en général. Après cette communion avec le public, le candidat numéro 15 s'est dirigé au cimetière de la guerre des 6 jours qui a servi en 2000 entre les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani. Sur ces lieux, il s'est incliné sur la tombe des victimes en rappelant son combat sur la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Et pendant ce temps, dans la province du Haut-Ouélé, les religieux et enseignants ont été mobilisés par le gouverneur Christophe Basséané pour la réélection du candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage Damas et Solé. Pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au rendez-vous du 20 décembre 2023, ces deux jonquaires, eux aussi inscrits dans la course pour lui offrir une majorité à tous les niveaux de parlement, tant national que provincial, ne tarissent pas de stratégie de campagne. Après le meeting populaire, arrive le ratissage de proximité le jeudi 7 décembre 2023 avec ses prêtres catholiques, les 137 révérends pasteurs de la CK16 et plus de 3000 enseignants du primaire et du secondaire venus de 267 écoles de la sous-division 1 de Wamba à Ibambi, aux uns et aux autres. D'abord, le gouverneur candidat Christophe Basséané qui, dans un langage mathématique, fait de ses hommes des dieux et enseignants les messagers de la bonne nouvelle, celle de mobiliser dans leurs sphères respectives les 250 000 électeurs de Wamba à voter utile pour Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo et ses deux disciples. Le prix que vous allez payer, c'est encore la joie avec laquelle nous allons disperser ici pour aller faire de tout le monde les disciples de cet équipe gagnant. Dans cet équipe gagnant, nous avons besoin de 240 000 personnes. Ensuite, l'honorable Geneviève Inagossi, pour sa part, n'étant si je pas l'unique ticket gagnant de Wamba, reste celui de Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo pour tout ce qu'il a donné à la population pendant son premier mandat. Le président de la République, et par bien nos vins, c'est nous vous demandez de soutenir, de voter les 20, de voter les 16, de voter les 24. C'est à l'issue de la récolte des désidérata de sa base pour un nouveau contrat social que Christophe Basséané quitte Ibambi après avoir scellé sa consigne électorale. La population du territoire de Djougou n'a pas droit à l'erreur pour choisir Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de la République. Message du député national Raymond Tchédia Patay qui bat campagne pour le candidat numéro 20. Des stratégies ne cessent de se multiplier à quelques jours de la clôture de la campagne électorale. En RDC, tous les candidats de l'Union sacrée pour la nation engagés dans différents scrutins du 20 décembre prochain ne jurent qui par la réélection du numéro 20 à la magistrature suprême. En Ituri, l'honorable Raymond Tshédia Patay, candidat à sa propre succession au numéro 258 en territoire de Djougou, prône l'unité et la cohabitation pacifique de fils et filles de ces territoires, bénéficiant des actions salvatrices du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Agina, Lopa, Katoto, Nizi et Mantro. C'était à l'occasion du lancement de sa caravane électorale dans cette partie de l'Ituri. Mes frères de Gina, je vous demande, le 20 décembre, allez voter le président numéro 20. Il est encore au pouvoir. Pour la recherche de la sécurité, de la paix durable à Djougou, votez numéro 20. Les M, mes frères, vous les M, ne vous laissez pas tromper.
ne restez pas dans l'opposition, soyez du côté du pouvoir. Nous souffrons depuis 1909. Aujourd'hui, nous devons être avec le pouvoir pour mettre la fin à la sécurité qui est chez nous. Deux fois réélu député national, l'autorité morale du parti politique AFD dans le regroupement politique AIN, Action pour l'unité nationale, veut encore mettre ses riches expériences parlementaires en faveur des Ituriens en général et de la population de Djougou en particulier. Le soutien du candidat numéro 20, c'est celui de Didier Moukoma, un acteur politique qui ne jure que par la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Le seul avantage que vous avez à voter Didier Moukoma, c'est le vrai défenseur que vous avez. Il va défendre vos intérêts au niveau de la province à travers l'Assemblée provinciale. Comme vous savez, Didier Moukoma sera la personne qui va essayer de créer des édits qui vont compléter les lois que nous avons déjà, par exemple en matière d'assainissement et en matière de circulation routière. Donc je suis là pour défendre vos intérêts sociaux, économiques et politiques. De renforcer les contrôles du gouvernement pour que, à ce que le gouvernement perçoit puisse servir à mettre la propriété dans la ville province de Kinshasa et particulièrement dans la ville de la Gombe. Comme vous le savez, nous avons des lois qui attribue aux provinces la perception des taxes sur l'assainissement des provinces. Et toutes ces taxes-là sont mal gérées. Alors c'est pour cela qu'en tant que député, et c'est dans mon rôle de contrôler le gouvernement, nous allons renforcer le contrôle du gouvernement, aussi éviter les motions que nous appelons des motions alimentaires, avoir de bonnes moralités pour que ces taxes-là puissent être bien canalisé à l'utilisation de la propriété pour la ville de la province de Kinshasa. Et c'est possible parce que dans la ville de Kinshasa, nous avons ces taxes-là sont perçues sur toute la manutention des produits qui rentrent dans la ville de Kinshasa et qui sortent de la ville de Kinshasa à travers la route et à travers aussi les voies fluviales. Donc, si vous faites le calcul du nombre de colis qui rentrent et qui sortent, en tout cas, vous constaterez qu'il y a beaucoup d'argent et cet argent pourra servir à ce que la ville de Kinshasa soit propre. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre va se clôturer demain, 10 décembre. Les déplacés cantonnés à Roussaou ont été sensibilisés sur les différentes formes des violences auxquelles elles font face. Ces femmes ont pris l'engagement de dénoncer tout cas de violence. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Nord Kivu. Dans le cadre de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'organisation IPAS RDC a effectué une descente ce vendredi 8 décembre 2023 au site des déplacés de guerre des Roussayo en territoire de Niragongo au Nord Kivu. Il était question de sensibiliser les déplacés sur les différentes formes de violences basées sur le genre, chose qui les a réjouis. Pour eux, plusieurs cas de violence sont signalés dans ce camp. Audace Zairorera, chef adjoint du site de Roussayo, salue la tenue de cette séance qui s'avère indispensable pour le changement de comportement des occupants du site. Chose corroborée par mademoiselle Rebecca Accenté, déplacée venue de Ngungu. Elle a indiqué que les femmes déplacées sont victimes de violences lorsqu'elles vont à la recherche du bois de chauffe. Pour Dr Célestine Bouiboui, chargée de l'engagement communautaire de IPAS, cette séance tient à point nommé car le besoin se faisait sentir et surtout que la femme déplacée a pris l'engagement de dénoncer tout cas de violence qui va subvenir dans ce site. Nous, IPAS étant une organisation qui œuvre dans la santé sexuelle et reproductive, on a dû saisir ces opportunités pour mener des sensibilisations encore au niveau communautaire avec le cadre communautaire sur les différentes questions de la santé sexuelle et reproductive. Rappelons que la campagne de 16 jours d'activisme a débuté le 15 novembre dernier et ses clôtures, c'est dimanche 10 décembre 2023. La ministre d'État en charge de la justice participe à la 22e session de l'Assemblée des partis au statut de Rome. Rose Mutombo-Kiessé a une fois de plus dénoncé l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage.
La République démocratique du Congo, par le truchement de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris part à la 22e session de l'Assemblée des États, partie au statut de Rome tenu à New York aux États-Unis. Dans son intervention à ces travaux, Rose Mutombo-Kiese a signifié aux participants que la RDC est parmi les États partis qui ont cru aux idéaux de la justice et de la paix portés par la Cour pénale internationale. Pour démontrer son attachement aux valeurs de la justice et sa détermination à lutter contre l'impunité des auteurs de crimes graves, la République démocratique du Congo s'était distinguée par l'adoption de lois qui ont modifié certaines dispositions de son droit pénal et judiciaire afin de le mettre en adéquation avec le statut de Rome, particulièrement en ce qui concerne les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre pour lesquels désormais les juridictions militaires appliquent directement les 10 statuts. La tribune de la 22e session des partis a été une opportunité pour le patron de la justice congolaise de lancer un appel à la communauté internationale de mettre un terme à l'agression de la RDC victime dans sa partie est. La partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violations graves et systématiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les conséquences dramatiques sur le plan humanitaire du mouvement terroriste dénommé M23. Dictée par la nécessité de mettre fin à l'impunité de ces crimes, la République démocratique du Congo a diligenté au cours du mois de mai 2023 une plainte à la Cour pénale internationale contre les auteurs de ces crimes, parmi lesquels se trouvent les officiers et militaires rwandais. La ministre de la Justice est partie des États-Unis avec la conviction que son message a été capté. Dans l'entretemps, la RDC offre sa disponibilité à coopérer étroitement avec la CPI pour faire triompher la justice. Vulgariser et faire la promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC, c'est l'objectif principal de la mission du directeur général de l'ARRSP, Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui est Serjona Mbujimayi. Miguel Cachal appelle la population à cultiver l'esprit entrepreneurial pour diversifier l'économie nationale. Reportage Joël Makela. Vulgarisation et promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC, le directeur général de l'ARSP a mis le cap sur la ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental. Accompagné de son adjoint, l'honorable Miguel Cachal a présenté l'objet de sa mission à l'autorité provinciale, cela avant de se rendre au stade Cachalabonzola, situé à environ 8 km du centre-ville, où l'attendaient des milliers de zestes kassaïens qui lui ont réservé un fervent accueil. Présente à cette activité, toute la crème des autorités politico-administratives et membres du Conseil provincial de sécurité. Au-delà des animations musicales dans leur diversité et présentations scéniques ayant trait à l'entrepreneuriat, le patron national de la sous-traitance a donc axé son speech sur les intérêts qui découlent de la mise en œuvre des textes légaux qui régulent la sous-traitance, tout en encourageant son public hétérogène à cultiver l'esprit entrepreneurial. Le président de la République est en train de pousser l'entrepreneuriat. Nous devons oublier que l'amiba est papa et maman, n'est-ce pas? Nous devons oublier ça. Nous devons nous tourner vers d'autres voies afin de pouvoir développer et diversifier l'économie ici à Mbujimayi. Yango, Mokonzi Amboka. Aligné entrepreneuriat et tombement à Wanambujimayi. Julie Kalenga, gouverneur de province, a par la suite remercié ses administrés pour l'intérêt manifeste à cette activité dont les participants interviewés ont énormément apprécié. Nous vision au chef de l'État qui est la sous-traitance ou du bas. Ba exécuter kudi meilleur interprète ou vision à chef de l'État qui chilaku loa sous-traitance ngateji honorable Miguel Cachal Kateb. Nous adorons la vision du chef de l'État. Donc nous sommes très contents avec des histoires telles que ça. Donc ça booste la province.
Si pas lui qui encore pouvons nous donner la chance. C'est Fatih ou rien, 20 ou rien. Il faut dire que Mujimaï se place dorénavant vers l'orbite du changement narratif en ce qui concerne le secteur de la sous-traitance. La COP 28 se poursuit à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Sur place, l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques dans les milieux ruraux et périurbains compte mobiliser plus de 750 millions de dollars américains pour financer les projets de desserte en électricité en République démocratique du Congo. Les détails avec Patricia Ungu et René Wango. Le taux d'électrification dans les milieux ruraux en République démocratique du Congo est estimé à 1%. Pour augmenter ces pourcentages, l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques en milieux ruraux et périurbains compte mobiliser d'ici 2025 750 millions de dollars américains. Ces fonds vont servir à financer environ 200 projets de desserte en électricité à travers le pays. Un programme ambitieux présenté à la COP 28 par le directeur général adjoint de l'ACER. Nous avons en tout cas un portage politique appuyé par le chef de l'État pour pouvoir construire des centrales solaires et hydroélectriques dans les zones rurales et périurbaines et surtout aussi stimuler le secteur privé en ramenant des investissements, mais en amenant aussi les secteurs privés à s'impliquer dans l'électrification des zones rurales. Et nous, on les appuie aussi avec l'outil que nous avons, que nous appelons le Fonds Mwinda, qui nous aide alors à subventionner pour les motiver à venir aussi travailler dans les zones rurales et périurbaines. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dire comment électrifier chaque territoire. Nous avons 145 territoires et chaque territoire est différent l'un de l'autre. Mais nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire, pour tel territoire, voici la stratégie d'électrification. Donc sur le plan planification. La deuxième chose, c'est notre programme d'investissement prioritaire. Nous avons 270 projets matures et 49 sont déjà en cours. D'après Damien Twambilangana, son appel au financement a trouvé du répondant auprès de plusieurs partenaires du secteur privé qui ont manifesté l'intérêt d'investir dans les énergies renouvelables en RDC, pays solution pour une transition énergétique. Une réunion a tablé sur le peuple autochtone face au changement climatique dans la réserve de biosphère de Louki et au parc de la Salonga, rencontre organisée par l'UNESCO. C'était une réunion technique entre les experts de l'environnement dans le domaine climatique et ceux de la lutte contre les changements climatiques organisée par l'UNESCO RDC. Les discussions ont tourné sur les mesures à prendre pour lutter contre les effets du changement climatique. Des aires protégées ont été choisies, la réserve de Louki et le parc national de la Salonga. Une réunion de discussion autour de la thématique du projet que l'UNESCO est en train de développer pour mettre en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Et donc ici, il est question de discuter avec les spécialistes du secteur de l'environnement dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, discuter ensemble sur les possibilités ou les options nécessaires à prendre pour lutter contre les effets du changement climatique et surtout accroître la résilience des peuples autochtones et des communautés locales autour de deux aires protégées qui sont choisies, identifiées, la réserve de biosphère de Louki et le parc national de la Salonga. De ces échanges, sortir certaines idées relatives à la mise en œuvre sur la promotion et la protection des autochtones et de la communauté locale telle qu'initiée par l'UNESCO. Et puis cette page noire avant de terminer ce journal, cela fait exactement un an déjà depuis le décès de Tarsis Kasongo Mwemba Yambayamba, une messe d'action de grâce en sa mémoire a été dite à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. C'était en présence de sa famille biologique et la porte-parole du président de la République. Reportage Gaëtan Magalano et Oscar Mbal. Tout commence comme une messe ordinaire avant que la veuve Kasongo Mwema emporte l'assistance par un chant de louange, un chant qui sera ensuite enchaîné par deux mots de louange adressés au Très-Haut un an après le décès de son époux. Comment ne pas t'exalter, toi le Dieu qui sait dans la louange, le Dieu qui vit dans la louange. La veuve
ne manque pas à mentionner dans son mot de remerciement quelques confidences partagées avec celui qui n'était pas seulement son mari, mais aussi le porte-parole du président de la République avant d'être nommé président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de presse. Je lui disais souvent, Tarsi, si tu sais, je prie Dieu tous les jours pour que ce soit moi qui parte la première. Si moi je pars avant, toi au moins tu sauras m'enterrer. Il me répondait avec le sourire, malheureusement, ce n'est pas moi qui décide. Un homme de rugueur si long, c'est Chevalier de la Plume qui a partagé avec Tarsis Kassongomema les locaux de la RTC. Pour lui, le travail, c'était le critère numéro un d'appréciation. À la présidence, sa manière de faire résonne encore et encore, comme le martèle Tina Salama, actuel porte-parole du président Félix Tshisekedi. C'était quelqu'un de, comment dire, un perfectionniste en tout cas. Kassongomema, il aimait le travail bien fait parce qu'il était très professionnel. Donc, il ne supportait pas qu'on ne puisse pas ne pas être engagé, impliqué dans ce qu'on faisait. Et donc il m'a beaucoup appris et j'aimais bien comment il parlait. Il avait une très belle diction. À la fin de cette messe d'action de grâce dite en la paroisse Sacré-Cœur, l'assistance ne manque pas de mots de tendresse à l'endroit de cet ancien journaliste et cadre à la télévision nationale. Qu'est-ce que nous avions conçu ensemble, c'est de moderniser l'Agence congolaise de presse. Décédé le 12 novembre 2022 après ses loyaux services rendus à la nation par sa plume et son savoir-faire, Tarsis Kassongomema restera pour l'opinion. C'est lui qui a su marquer son temps. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Papingina Mao et Nasha Kumpava à la technique Espérance Kajinga, Jérima Wassa, Nzengele Bassosa, Alain Galia. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Très bonne suite de programme sur la RTNC.